사도행전 16장 6절에서 10절. 오! 오! 말씀 잘해요! 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네. 한 걸음 한 걸음. 성리에 처하고 집을 지으셨다. 함께 살아계신 하나님 앞에 찬송을 드리고 예배드릴 수 있는 복의 자리에 있게 하신 것은 너무 큰 축복이라 믿습니다. 아멘. 저는 이 집이 싫어서 저 먼 나라에 갈 거예요. 그러니까 돈 주세요. 아들아, 집을 떠나자는 거 주는 아니한다. 싫어요. 돈 주세요. 어허, 안 되는데. 싫어요. 돈 주세요. 마귀에게서 나는 마귀는 처음부터 범죄하니라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 요한일서 3장 8절 말씀. 아멘. Wow! Nos remnantes se sont réjouis en tant que sommet spirituel la semaine dernière. Nous allons applaudir les uns les autres. Tu as bien travaillé. Alors, la semaine dernière, nous avons vu l'histoire de Daniel la semaine dernière. Mais, alors, il était bon en quelque chose en tant que remnant. Quelle est cette chose? Est-ce que vous savez ce que c'était? Alors, Hawan, qu'est-ce qu'il a fait le mieux, Daniel? Daniel? Oui, il prie. C'était un remnant qui priait. Mais quand il devait mourir, il a remercié le Seigneur, il a continué de prier. Alors qu'il devait être jeté dans la fosse au lion, mais il a dit, « Seigneur, merci. » Il a prié comme ça. Alors, la première chanson que nous allons chanter, c'est « Un autre rêve ». Nous allons voir les paroles. Nous allons danser et chanter ensemble avec les points. Point. Nous allons faire comme si l'eau coulait. Je ne suis pas troublé. Je n'abandonne pas. Ah, vous pouvez le faire? Comme Daniel, nous prions. Dans la prière de chaque jour. Emmanuel, c'est Dieu en moi. Alors, sur la poitrine. Nous allons voir qui danse le mieux. Nous allons chanter un autre rêve.
Dieu là. Je ne suis pas troublé, je n'abandonne pas, car je le rêve de l'alliance, car mon avenir est prêt. Je me réjouis d'Emmanuel, tous les jours dans la prière, mon rêve qui sauvera le monde, par le chef-d'œuvre de l'alliance. Je suis vraiment surprise. Alors, nous avons tous loué Dieu du fond du cœur, de toute notre force. La deuxième chanson. Le train. Vous savez comment le train court? Tic, tic. Tout, 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 tout. Alors, vous avez l'évangile grec. Vous êtes dans le train qui va prêcher l'évangile dans le monde. Nous allons chanter le train de l'Alliance. Nous allons tous rouler ensemble. Alors, il y a des garçons de plus. Ah, ça avance. Tic tic pop pop, tic tic pop pop. Dans la guitare, ma son talent allumera. Tic tic pop pop, tic tic pop pop. Dans le canyon, dans mon bureau. L'Alliance, nous allons écouter la parole avant ça. Nous allons prier tous ensemble. Les deux mains ensemble, en fermant les yeux, nous allons nous concentrer. Prions. Vous êtes prêts à prier? Prions. Dieu Père, tu nous as donné le statut de t'appeler en tant qu'Abba Père et le statut qui nous permet de te louer. Maintenant, quand nous te louons, que notre esprit soit ravivé et que mon corps, mes pensées, mon cœur soient aussi ravivés
Quand nous écoutons la parole de Dieu, que la lumière de la parole éclaire ma maison, mon jardin d'enfants et aussi mon école maternelle, et que toutes les forces ténèbres soient combattues. Quand nous retournons à la maison aussi, nous pouvons te louer tous les jours en tant que sommet spirituel. Et toutes les personnes qui ont décidé d'être avec nous, le pasteur, les parents, les instituteurs, qu'ils reçoivent la bénédiction du trône à travers nos Remnant, à travers notre ministère de jardin d'enfants, que l'évangélisation mondiale s'accomplisse. Alors, le pasteur, les parents, les instituteurs et les Remnant, qu'ils soient utilisés pour le mouvement de vie, le mouvement de l'évangélisation, le mouvement de mission mondiale. J'ai prié tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la parole ensemble. Vous êtes prêts à écouter la parole? C'est vrai? Vous êtes prêts? Nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Le titre aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons lire le titre ensemble. Nous allons lire ensemble la fournaise. La fournaise. Encore une fois, la fournaise ardente qui brûle. Encore une fois. La fournaise ardente qui brûle. Ah, la parole de Dieu. On n'a pas beaucoup de temps. Nous allons lire ça très vite. Hein? C'est la parole que nous allons voir. Hein? Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel, chapitre 3, verset 18. Amen. Voyez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une grande cathédrale en Europe. Ça date de combien d'années? Plus de 500 ans. Ils sont en train de la construire encore. C'est très, très grand. C'est immense. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils prennent des photos là-bas. Mais vous ne voyez pas bien, il y a beaucoup de statues d'hommes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'église où il n'y a plus d'évangile. L'évangile a disparu. Et l'église qui n'a pas d'évangile devient une idole. Les gens ne connaissent pas Dieu du tout. Les gens vont là-bas. Non, ils ne vont pas là pour louer Dieu. Il n'y a pas de culte là-bas. Ils prennent des photos. C'est un site touristique. Alors, si à l'église, il n'y a pas de parole de Dieu, les gens prennent que des photos. Si ça devient un lieu comme ça, est-ce que c'est bien ou pas? Non. Alors, à l'église, à cette église catholique, est-ce qu'il y a des enfants qui viennent, des enfants comme vous? Non. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Regardez. Alors, je suis allé et j'ai pris mes photos moi-même. C'est à Taïwan. Il y a des gens qui font quoi à Taïwan? Il y a quelque chose qui est rouge par terre. Quand je suis allé à Taïwan, il y avait un grand temple. Alors, il y a beaucoup de poupées. Les gens
lance quelque chose aux poupées. Ça fait beaucoup de bruit. Dans les temples bouddhistes, on entend quelque chose, des bruits. Les gens lancent quelque chose par terre. Pourquoi ils font ça? Deux. Il y a il continue de lancer quelque chose jusqu'à ce que quelque chose ressorte des poupées. Alors il prie pour qu'il se concentre, pour qu'il réussisse. C'est ce que nous appelons l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Comme en Europe, comme à Taïwan, encore à notre endroit. Les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas. Ils sont tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient ensemble. Devant la statue de l'âtre, ils ne savent pas que c'est des démons. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est sans, rassemble à l'éléphant, à l'homme. C'est en Inde. Il y a beaucoup de personnes qui sont là devant ces statues. Ils sont en train de se procéder devant cette idole. C'est comme ça dans le monde entier. Vous avez vu les églises, l'église en Europe, l'église est devenue une idole parce qu'il n'y a pas d'évangile. Alors, il y a un autre endroit comme ça, dans la Bible. Les enfants d'Israël avaient perdu l'évangile. Ils ont commencé à faire de l'idolâtrie au lieu de croire en Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus captifs à Babylone. Ils sont devenus captifs à Babylone, mais Dieu a quand même laissé les remnants derrière. Dieu a laissé les remnants. Il vous a laissé aussi. Vous êtes ces remnants. Nous allons voir l'histoire du remnant. La semaine dernière, nous avons vu aussi une histoire sur Daniel. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'histoire sur les trois amis. Est-ce que vous connaissez leur nom? Est-ce que vous connaissez leur nom? Alors, ces trois amis, aujourd'hui, ils sont battus contre les idoles. Alors, vous allez vous concentrer à côté de cette histoire. C'est tellement intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes prêts à vous concentrer? Alors, nous allons inviter ces trois amis. Nous sommes les trois amis. Nous sommes venus à Babylone comme captifs. Moi, je m'appelle Shadrach. Moi, c'est Meshach. Moi, je m'appelle Abednego. Voici le roi Nebuchadnezzar. Je suis le roi Nebuchadnezzar. Je suis ici pour élever une grande statue en or. Voici cette grande statue. Alors, dégagez-vous. À partir de maintenant, vous allez entendre les instruments. La trompette et la flûte. Et quand vous allez entendre les instruments, vous allez vous prosterner devant ces statues d'or. Si vous ne voulez pas vous prosterner devant cette statue d'or que j'ai élevée, je vais vous jeter tous dans la fournaise ardente.
아니, 임금님. 오호. 조자들은 금신상에 절을 해놨습니다. Ils sont pas prosternés devant la statue. Mais vous, vous êtes en train de faire quoi maintenant? J'ai dit qu'il fallait vous prosterner devant la statue quand vous allez entendre les instruments. Alors, pourquoi vous n'avez pas fait? Alors, je vais voir. Qui sont-ils? C'est qui? Ah! Vous êtes des remnants intelligents qui louent Dieu l'Éternel. Vous êtes tellement intelligent que je pense que vous n'avez pas entendu les instruments. Encore une fois, je vous fais entendre les instruments. Alors, quand vous allez entendre le son, vous allez vous prosterner devant cette grande statue d'or que j'ai élevée. Si, non, je vais vous jeter dans la fournaise ardente qui brûle fort. Vous allez entendre les instruments. Un, deux. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Nous ne pouvons pas nous prosterner devant cette statue d'or. Vous ne pouvez pas le faire? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, même si Dieu ne nous délivre pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne pouvez pas vous prosterner? Alors, vous allez lier ces trois jeunes vous allez les lier tout de suite. Écoutez bien. Ceux qui sont liés et qui ne se sont pas prosternés devant la statue, vous allez les jeter dans la fournaise ardente. Mais ne les lancez pas comme ça. Il faut chauffer la fournaise encore plus et plus. Cette fois plus chaud et vous allez les jeter dans la fournaise. On va les jeter tout de suite par l'ordre du roi. Ces trois amis devaient être jetés dans la fournaise ardente. Ah, c'est tellement chaud, ça brûle. C'est tellement chaud qu'on ne peut pas rester ici. C'est trop chaud.
Mais venez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu? Nous avons jeté ces trois jeunes dans la fournaise. Oui, ils étaient trois. Mais ils ne sont pas trois. Un, deux, trois. Ils sont combien? Ils sont quatre. Et regardez, les dans la fournaise, ils sont en train de se promener dans la fournaise. Ils ne sont pas brûlés du tout. Alors, le quatrième, il ressemble à un ange. Ah, ça ne marche pas, hein? Ah, Shadrach, Meshach et Abednego, le serviteur de Dieu Très-Haut, vous allez sortir de la fournaise. Allez voir s'ils n'ont pas été brûlés. Oh, les cheveux. Ils sont comment? Ils n'ont pas été brûlés du tout. Ça sent même pas le brûlé, hein? Ah, c'est pas possible. Les remnants, ils ont misé leur vie pour ne pas entendre ce que j'ai ordonné, mais ils louent seulement l'Éternel Dieu, et Dieu les a sauvés parce qu'ils ont refusé de faire l'idolâtrie. Oh, l'Éternel Dieu qui les a sauvés de la fournaise ardente. Seul l'Éternel Dieu est notre Dieu. Voici mon ordre. C'est l'ordre du roi. À partir d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui parle n'importe comment de l'Éternel Dieu ou de pays, je ne vais pas laisser comme ça. Seulement gloire à l'Éternel Dieu. Alors, vous avez vu la parole? Regardez encore. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or que le roi a élevée. Alors, ils avaient décidé de se jeter dans la fournaise ardente, mais ils savaient que Dieu allait les sauver. Mais sinon, ils avaient décidé. Alors, suivez-moi. Sinon, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Alors, le roi était tellement en colère. Il faut les jeter dans la fournaise ardente. Jette-les. Alors, il faut chauffer la fournaise 7 fois. De plus, alors les soldats ne pouvaient pas les mettre dans la fournaise, c'était tellement chaud. Mais ils étaient dans la fournaise. Ils ont été jetés, mais ils n'étaient pas trois, ils étaient combien? Ils étaient trois quand ils sont entrés, ils ont été jetés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, mais dans la fournaise, il y avait une autre personne. Alors, ils étaient en train de se promener dans la fournaise ardente. Alors, ils étaient encore vivants. Est-ce que c'est vrai ou pas, cette histoire? C'est vrai. C'est dans la Bible. C'est la même chose que Dieu peut faire à travers vous ou pour vous. Et qu'est-ce que le roi dit? Le quatrième, il ressemble à un ange. Alors, les serviteurs de Dieu très haut, Shadrach, Meshach, Abednego, sortent de la fournaise. Ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils n'étaient que trois. Vous, Dieu vous a donné ce statut aussi partout où vous allez. Dieu mobilise ses anges pour vous. C'est ce que nous appelons. Alors, pour la première fois, nous parlons de ça dans, ici au Jardin d'Enfants.
Alors, le temps et l'espace. En transcendant le temps et l'espace, Dieu mobilise ses anges. C'est ça votre statut et autorité. Rappelez-vous ce fait. Les parents, dans la semaine, vous allez enseigner cela pour que ça soit imprimé en nos remnantes. Partout, les remnantes se déplacent, les anges sont mobilisés comme il a fait pour les trois amis de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas été morts. Alors, le roi qui ne connaissait pas Dieu, il a dit quoi? Oh! Alors, c'est Dieu, seul Dieu peut les sauver de la fournaise ardente. Il a dit, à partir de maintenant, personne ne peut parler n'importe comment sur Dieu. Et s'ils le font, il allait les tuer. Alors, si quelqu'un parle n'importe comment sur l'éternel Dieu, ils sont tous tués. C'est seul Dieu qui pouvait les sauver de la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Alors, je donne le décret et que vous donnez le décret dans tout le pays pour que personne ne parle n'importe comment sur l'éternel Dieu. Alors, le roi a confessé l'éternel Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, pour prêcher l'Évangile, vous allez aux extrémités de la terre, à tout le monde, jusqu'au bout du monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez témoigner du nom de Jésus-Christ dans la semaine, nous remnant avec les parents. Vous allez faire cette mission en même temps. Et vous allez imprimer le statut d'autorité d'enfant Dieu à vos enfants. Partout, les enfants vont, les forces ténèbres seront battues. Et Dieu transcende le temps et l'espace. Il agit. Maintenant, vous allez bénir les uns les autres entre les remnants, entre les parents. Partout où tu vas, Dieu envoie ses anges. Encore une fois, partout où tu vas, toutes les forces ténèbres sont combattues. Regardez en face. Vous avez statut et autorité d'enfant de Dieu. Vous êtes remnante. La mission, et aujourd'hui, il y a un moment spécial. Alors, les remnantes, pour les remnantes, il y a quelque chose de très spécial. Regardez. C'est le moment de faire la sélection d'un remnant qui fait bien le jour de la prière et qui fait bien sa mission à la maison. Et on va donner un prix, on va donner un poulet pour qu'il mange à la maison avec les parents. Le top remnant de la semaine. Qui est-ce qui a fait le mieux cette semaine? J'ai vu, hein? Cette semaine, il y a une famille qui a fait tout ça le mieux. C'est quelle famille? Regardons. Cette famille, nous allons voir leurs traces sur YouTube éternellement. Si vous êtes élu comme ça, il ne faut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme moi? Faites comme moi. Et vous allez aussi applaudir. Qui est le top remnant de la semaine? Et vous allez applaudir, hein, ensemble. Qui est le top remnant? Chang Onyu, Chang Yudam! Le trophée!
Ils ont bien travaillé. J'ai vu, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait le mieux? En famille, ils ont loué Dieu, ils ont fait les journées de prière. On va sélectionner les remnants de chaque semaine. Vous allez envoyer, en fait, la vidéo de votre mission et du journal de prière. Nous allons sélectionner un remnant. On va vous donner un trophée. Et ce que vous faites sera affiché sur YouTube. On va vous donner aussi des plein de cadeaux, aussi le poulet. Les top remnants. Vous allez tous être les top remnants. Ne vous inquiétez pas. Et continuez à faire votre mission. Nous allons chanter et donner nos offrandes en même temps. Nous allons chanter encore un autre rêve et donner nos offrandes. Mon rêve est différent. Vous devez vous concentrer sur la parole à travers cette mission. Cette semaine, quelle mission? Des bulles de joie, le temps du sommet. Dieu qui était avec les trois amis. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait fabriqué une grande statue d'or et il a ordonné à tout le monde de se prosterner devant cette statue. Vous, avec la trompette,
avec la flûte. Quand vous allez entendre ces instruments, vous allez vous prosterner devant ces statues. Et si quelqu'un ne se prosterne pas devant la statue, sera jeté dans la fournaise ardente. Mais quelqu'un ou quelques personnes qui ne s'étaient pas prosternées devant la statue, c'était Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient des serviteurs de Dieu. Comment vous avez osé de ne pas vous prosterner devant la statue? Je vous donne une dernière chance. Prosternez-vous devant cette statue, sinon vous allez être jeté dans la fournaise ardente. Et ses trois amis ont répondu au roi. Au roi, nous n'avons pas besoin de répondre à votre question. Mais si Dieu que nous servons est vivant, il nous délivrera de cette fournaise ardente et de vos mains aussi. Mais sinon, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le roi était tellement en colère, il a dit: alors, jetez ces hommes dans la fournaise ardente et chauffez la fournaise cette fois plus. Ces trois amis ont été jetés dans la fournaise. Mais quelque chose est arrivé. Ils étaient dans la fournaise ardente. Ils étaient trois, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que les trois. Il y a une autre personne avec eux. C'est Dieu a envoyé son ange pour protéger ses trois amis. Le roi s'est rapproché de la fournaise. Il a poussé un cri. Oh, les serviteurs de Dieu très haut, Shadrach, Meshach et Abednego, sortez de la fournaise. Et quand ils sont sortis de la fournaise, mais ils n'étaient pas quatre, ils étaient trois seulement. Et ces trois amis n'ont pas été brûlés du tout. Après ce jour-là, le roi Nebuchadnezzar a proclamé, a déclaré aux 237 nations, Shadrach, Meshach, Abednego, et je loue le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, et il a envoyé son ange et a protégé ses serviteurs qui ont refusé de se prosterner devant la statue. Aujourd'hui, nous allons... décrire, exprimer le Dieu qui était avec ses trois amis avec les jeux d'ombre. Alors, le manuel de dessin, manuel du terrain de la semaine, est un cahier de dessin et le stylo, un bâton, les ciseaux, adhésifs. En regardant le manuel du terrain de la semaine, vous allez choisir un dessin que vous allez exprimer avec les jeux d'ombre. Vous allez dessiner ce que vous voulez décrire et exprimer.
vous allez les couper selon les lignes. Au dos, vous allez mettre le bâton. Et vous allez aussi fabriquer le linge. Mettez une croix au milieu. Faites ça avec l'ange, avec le papier cellophane. Vous allez éteindre le feu et vous allez mettre l'éclairage sur le mur. Nous allons mettre le dessin devant l'éclairage en faisant ce chef-d'œuvre. Vous allez vous souvenir de Dieu qui est toujours avec vous. C'est où ici? Ah, c'est chez moi. 1, 2, 3, et nous allons éteindre la lumière. C'est noir, n'est-ce pas? Nous allons allumer une petite lumière. Nous allons mettre quelque chose sur le feu. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? C'est dans la parole aujourd'hui, c'est quoi? Oh, c'est là. Les trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans la fournaise ardente. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bon, nous allons mettre la main sur la lumière et à l'ombre. Cette semaine, nous allons nous souvenir de la parole qui était donnée à Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, nous allons faire le jeu d'ombre à la maison. Comment il faut faire? Je vais vous expliquer ça sur YouTube. Et dans la semaine, vous allez vous relever le défi pour le top remnant. C'est Pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Prions. La grâce de Jésus-Christ et l'amour immense de Dieu et l'œuvre Saint-Esprit soient sur les remnants qui vont sauver le monde, qui a couvert des ténèbres et en étant imprimé de l'évangile précis et surtout les parents, sur les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.